Eh bien salut les amis, c'est Karendo, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Super Mario Maker 2 sur Nintendo Switch. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et donc on continue notre aventure sur le mode histoire, enfin notre aventure qui est terminée mais on fait le niveau suivant. Ah, il y a un autre niveau de pitch, on le fera peut-être à la fin de l'épisode. Donc le rodéo des blocs serpents, ça j'aime pas. Les blocs serpents de mon stage filent comme le vent. Je cherche un volontaire pour voyager sur leur dos jusqu'à l'arrivée. Vous ne le regretterez pas, fan des blocs serpents. Il y a vraiment des fans de trucs bizarres. Et quand est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, un fan de Kirbendo, hein, je sais pas, je dis ça comme ça. Pas sur le jeu. Par contre, personne n'est fan de Mario. Genre, dans le jeu, il y a personne qui est fan de Mario. Genre, le pauvre. Bien, alors, ok, déjà, c'en est un qui va assez rapidement. C'est pas très très sympa, ça. Ok. Bon, ça va quand même, hein. Par rapport au niveau que vous m'envoyez, c'est quand même pas bien compliqué. Alors ça, faut pas rester comme ça sans bouger, il faut sauter, tranquille. Et je récupère des pièces pour rien, hein, comme d'habitude. C'est dommage que le mode, enfin que le 100% sur le château se fasse si rapidement. Parce qu'en fait, oula, j'avais oublié que j'avançais pas tout seul. Oh non, non. Donc ouais, c'est dommage que ça se fasse si rapidement, parce qu'en gros, j'avais fait que la moitié des niveaux, que j'avais déjà 100% du château, je trouve que c'est quand même assez rapide. Hein. Ok, ça va être la fin là, bientôt. Mais ça sert à rien! Ah non, pas encore. C'est frustrant d'avoir des champivis qui servent à rien du tout. Ok. Est-ce que mon score global continue de... Oula, continue de s'ajouter? Parce que genre il y avait un score global qui apparaissait quand tu terminais le jeu sur le générique. Mais je sais pas s'il continue de s'ajouter. Ok, on va... Oui, mais pourquoi je stresse à sauter et tout? Ok, faut pas sauter en fait. Faut juste continuer tout droit, sans stresser. Ok. Ah ouais, mais les pauvres Wigglers. Bah déjà j'aimerais bien leurs chaussures parce qu'elles leur permettent de marcher sur des pics. Pourquoi Mario il a pas les mêmes? Oh non 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 non. Oui oui oui, allez c'est bon, descends. Oula. Il me faisait peur là lui. Ouais, faut pas attendre trop longtemps. Ce serait bête de perdre maintenant quand même. Bon, c'est la fin là je pense. Eh oui, juste ici, salut. Je vais même pas attendre que le truc il fasse son schmismic. Je sais pas comment ça se dit, c'est quoi ce mot déjà? Schmilblick. C'est comme ça qu'on dit schmilblick. Je sais pas, des fois j'essaye d'utiliser des mots bizarres et en fait je me rends compte que je les connais pas trop ces mots. Schmilblick, je crois que c'est ça. Bref, allez, on y retourne. Le voyage des blocs peau rouges. Ils sont rouges, hein, attention. J'ai créé un stage où il faut jeter des blocs peau rouges pour libérer le passage. Maintenez Y enfoncé pour les saisir, puis relâchez Y pour les lancer. Jetez-les sur tout ce que vous voulez briser. Ouais, d'accord. C'est encore le fou qui écrit en majuscule, là. Quand je vois des gens écrire en majuscule comme ça, j'ai l'impression, genre, ils sont derrière leur clavier, ils hurlent. Ils sont, genre, vraiment vénères, comme lui, quoi. Ouais. Alors, je savais très bien comment ça marchait, ça, mais... Les blocs pour rouge, c'est ceux qui en fait ont une onde de choc. Ouais, ils font pas tout le terrain en fait, ils ont une onde de choc. Contrairement aux bleus qui, eux, bah pour le coup. Ok. Ok, très bien. Eh, c'est stylé. Ok, très bien. Mais c'est stylé. Ah! Ah ah! Ah ah! J'allais pas me faire avoir là. Ouh! Parfait. Mais j'ai loupé une grosse pièce. Oh, non, 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 non. Ah bah voilà, ça c'était plus simple, ça c'était plus gentil, parce que l'autre pièce là qui avait filé, c'était pas sympa du tout. Hein. Est-ce que ça tue d'ailleurs les nuages? Je crois que oui, non? Non, même pas? Y a pas un truc qui tue les nuages? Ah, je crois que ce qui tue les nuages, ce sont les twomps. C'est les twomps. Ok, très bien. Ah! D'accord, je pourrais le faire ce saut, non? Oh, il y a peut-être moyen, mais peut-être pas, je suis pas sûr, donc... Ouf, d'accord. Quoi? Ah bah non! Ah bah non! Ici? Ah ok. La portée me paraissait trop juste, mais pas vraiment, en fait. Ouf! Le pauvre, comment il a fait pour mourir? Je l'ai pas fait exprès? Bon bah désolé, hein.
Ok. Là, j'ai tout détruit. J'ai pas particulièrement visé. J'ai pas vidé d'une manière tout à fait particulière, mais ça a tout détruit. Ils ont une onde de choc assez ouf. Mais les actions en chaîne, les réactions en chaîne comme ça, c'est stylé. Mais les blocs peau comme ça, rouges, leur première apparition, c'est pas New Super Mario Bros. 2 sur 3DS. En tout cas, je sais qu'ils sont sur New Super Mario Bros. 2. Ça, j'en suis certain. Mais je sais pas si c'est leur première apparition, hein. ça peut-être que non. Mouahaha ! J'ai organisé une fête des Boum Boum en ville ! Même qu'il y a une récompense pour ceux qui arrivent au bout ! Mais faut pas rêver ! Y'a pas moyen que quelqu'un termine ce stage ! Ouais, il est que difficulté 3 étoiles, hein. Moi j'ai déjà réussi des 4 étoiles. Alors c'est pas les 3 étoiles qui vont me faire peur. Quoique plein de Boum Boum, ça peut me faire peur, potentiellement, quand même. Il faut pas exagérer non plus. Un champi ? Ah bah non, d'accord. Non, non ! Oh, le vent qui s'arrête au moment! C'est vraiment méchant, ça! En fait, j'ai pas besoin des crânes, hein. Je pourrais sauter de truc en truc, mais le problème, c'est que j'ai bien envie de voir s'il n'y a pas un champi caché. Eh bah si. Ok. Merci. Oh oh. Mais le vent, il va que dans un sens. Dans ce style, c'est que dans un sens, apparemment. Je suis obligé de les tuer? Pas vraiment, en fait. Après, ils n'ont pas fait d'objectif sur tuer tous les Boum Boum, donc je sais pas trop. Lui, il doit avoir une clé. Ça m'a bien l'air. Ok. Bon, par contre, le Boum Boum en Super Mario Bros. 3, il fait pas grand-chose. Hein. D'ailleurs, il sautait dans Super Mario Bros. 3. Pas le premier, mais il y en avait qui sautaient, mais là, ils n'ont pas l'air de vouloir. Oh, merci. Un power-up. Eh ben non. Enfin, oui, mais non. Enfin, hein, ça sert à rien, quoi. Je l'avais déjà... ok. Ce qui me fait vraiment peur, c'est que le vent s'arrête à certains moments. Très bien. Ah non, non, non. Ah, je l'ai tué pour rien en plus. Il est stressant ce vent, c'est ouf. J'aurais quelque chose. Probablement avoir ce truc là. Un champi. Oui. Et viens là. Merci. Il y avait un passage en bas aussi, mais j'ai pas envie d'y aller. Quoi? C'est une porte de sortie. Très probablement. Voilà, super. Ah, lui, par contre, ça va être obligatoire, non? On dirait une musique de Yuka Watch, genre le festival de l'été. Et... j'ai pas fait exprès. Aïe, j'ai pas fait exprès d'aller là et je sais pas comment je vais m'en sortir. Ok, tout simplement comme ça, d'accord. Ok, c'était pas bien compliqué. Oh! Ah bah, en fait, aucun des Boum Boum n'était obligatoire. Non mais le mec, genre, il organise une fête de Boum Boum, et genre, il nous demande d'aller tous les tuer. Genre, on Boum Boum les Boum Boum. Non, c'était pas drôle du tout. Non, je regarde ce que je viens de dire. Des bilbourins sur les talons. Wow, oh, Mario n'a aucune chance de traverser ce château avec les nouveaux bilbourins que je viens de faire installer. Trouvez-moi quand même un pigeon pour le tester, c'est plus sûr. Et marquez pas ça dans l'annonce. Ben, si, d'accord, c'est moi le pigeon, c'est ça? Ouais, ok, 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 d'accord, papa de garde l'anonymat, je te l'accorde, c'est vrai, je suis un peu un pigeon, sur certains jeux, pas tous, hein, mais ouais, ouais, quand même la plupart d'entre eux, quand même. Ah, j'aurais dû voir s'il y avait un power-up là, à droite, c'est pas grave, oula, oula, ça c'est un petit peu grave, non? Et surtout qu'ils vont pas s'arrêter. Alors c'est aussi marrant comme idée, mais par contre c'est assez violent. Ok. Non, 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 on dirait. Cette musique, elle vient d'où? J'allais dire c'est Paper Mario, mais ça peut pas être Paper Mario, c'est quoi alors? C'est quoi? Ça doit être Super Mario World ou Super Mario Bros 3, qu'est-ce que j'ai fichu? Je suis nul. Ok, 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 ok. Non, 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 j'aurais pas dû, enfin, heureusement je l'ai pas fait. Hein. C'est comment fallait faire? Je vois pas trop, oula, 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 oula. Mon dieu. Oh! Mais c'était super stylé. J'ai trouvé ça vraiment bien comme idée de niveau. Mais c'était assez stressant quand même. Mais du premier coup! Alors que j'ai quand même fait quelques erreurs. Hein. Saut mural magistral. J'ai créé un stage avec des parois très hautes pour pouvoir m'entraîner au saut mural. On peut certainement atteindre l'arrivée en appuyant sur B à chaque contact de la paroi. Quelqu'un veut bien faire le test? J'avoue, j'étais pas au courant. C'est vrai, quand t'appuies B sur une paroi, genre ça fait un truc. Ah ouais!
Tiens, bah ok. Non, mais je me moque, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui le savent pas. Enfin, j'imagine que vous devez le savoir, surtout si vous êtes au quand même 13e épisode de ma série, vous avez bien dû le voir déjà. Mais il y a pas mal de gens qui le savent pas. Et il y a pas mal de gens aussi qui ont énormément de mal à gérer les sauts-muraux. C'est pour ça que j'évite d'en mettre dans mes niveaux. Enfin, ça m'arrive d'en mettre, mais généralement pour des trucs optionnels, plutôt que pour des trucs obligatoires, parce que sinon, genre, je sais que ça peut être bien compliqué. Oula, what? Quoi? C'est stylé! Waouh, c'était génial! C'était chaud, mais c'était trop cool! Ok. Eh ben, je m'attendais à ce qu'il y en ait un autre, tiens. Je vais attendre qu'il aille à gauche parce que ça me donne plus de répit. Voilà! Oh, il n'y en a pas un autre! Très bien, il y a quoi là-dedans? Ouf! Ouais, mais non! Il va falloir aller très vite. Si tu vas vite, ils ont pas le temps de tirer. Ah ah, voilà. Oula. Eux par contre, ils ont le temps de venir. Ouais, on va attendre là par contre. Oh, donc au début, pour les petits, faut attendre. Enfin, faut pas attendre, faut aller vite. Mais là par contre, faut attendre. Sinon, tu peux pas trop passer. Non, il y a probablement pas de power-up parce que ça doit être la fin du niveau. Franchement, là, si effectivement tu ne sais pas gérer les sauts murales, y a rien à faire, hein. Tu peux pas y arriver ce niveau, hein. Ça c'est impossible. Pluie glacée. J'ai créé un parcours d'obstacles pour occuper les enfants pendant mes cours de PS. Il faut qu'ils travaillent leur saut en longueur, alors je leur fais appuyer sur R pendant qu'ils courent avec Y. D'accord, très bien. Et ils ont des professeurs de PS quand même un petit peu bizarres dans le monde de Mario, hein. Surtout qu'attendez, il va y avoir des stalactites qui vont tomber? Non. Ah ouais, si, c'est un peu dangereux quand même. Heureusement que mes profs de PS faisaient pas la même chose. Ouh, c'est un niveau, faut pas s'arrêter, d'accord. Ah! Il ne faut pas sauter sur ce niveau. Faut utiliser le saut en longueur, mais en tout cas jamais le saut en hauteur. Parce que sinon, après, tu désynchronises tout et ça doit être assez... Enfin, c'est comme ça que tu meurs, quoi. Ok. Oh, sérieusement? Ok. C'est stylé aussi. Je crois que là, je pouvais me permettre d'utiliser encore une fois le saut en longueur. Hein. Enfin, j'aurais pu utiliser le saut en hauteur aussi si je voulais aller récupérer la grosse pièce. Mais c'est pas plus important. Ok. Yes! Première fois que j'y arrive. Bon, par contre, elle va pas faire long feu cette pièce. Avec la musique en plus de Super Mario 64, c'est stylé! Ah bah voilà! Ok, ils s'étaient dit, ouais, les gens, ils vont essayer de gruger, ils vont essayer, genre, de remonter et tout, et bah non, voilà, bien fait pour vous. Ah, c'était trop bien. Ah, ça me rappelle vraiment, genre, l'espèce de descente glacée qu'il y avait dans Super Mario 64. C'était pas tout à fait pareil, mais genre, avec l'ambiance plus la musique, ça l'a rappelé un petit peu. Hein. Viens par là, Koopa. Qui a envie de s'activer un peu les méninges? Jouez de l'interrupteur on-off et atteignez l'arrivée en vous servant des Koopas. Vous vous sentez à la hauteur? Oui, oui, pour un niveau 2 étoiles, oui, bien sûr que je me sens à la hauteur, hein, ça va pas être bien compliqué. Hein. Allez. Ok. Viens par là, Koopa. Ok, et... Voilà. Oh, non! Aïe. Ok, j'ai fait mon malin. J'aurais peut-être pas dû. Parce qu'en plus, le niveau était terminé, là. Hein. Voilà. Enfin, pas le niveau, mais en tout cas, la première salle était finie. J'aurais dû faire plus gaffe. Que fait-il, là? Ah, d'accord. Bon, ça, c'est encore plus simple. D'accord. Ah, mais il fait demi-tour. Mais non! Mais il fait demi-tour, ça se fait pas! C'est perturbant, ça. Ok. Donc, si, attendez, si j'attends qu'il fasse... Ah, d'accord. Non, mais par contre, en fait, à chaque fois qu'il tombe, il se met à faire demi-tour. C'est bizarre, ça, d'ailleurs. Enfin, en même temps, les Koopas rouges ne sont pas censés vraiment tomber, en fait. Ça a pas marché, ça, si. Quoi? Je dois faire ça rapidement, c'est ça? Ah, mais attendez, mais super rapidement, quoi. Ah, très bien. J'ai eu peur. Ah ouais, mais attendez, mais... Ah ouais, ça va être un petit peu plus dangereux. Ok, non, ça va, ça va. J'ai eu peur pour rien.
J'aime bien ce genre de niveau avec des salles comme ça où t'as des espèces d'énigmes ou je sais pas quoi, mais je trouve ça super stylé. Qu'est-ce que je vais devoir faire de spécial là? Parce que pour l'instant, c'est pas bien compliqué. Oula, non, non, non. Ok, c'est laissé tomber. Non, parce que j'avais pas fait tout ça pour qu'il tombe dans le vide juste après, hein. Oula. Quoi? Ah, mais oui, je suis petit. Je suis petit, je pourrais le faire remonter. Comme ça. Mais attendez, maintenant, je vais devoir attendre qu'il tombe. On dirait bien. Enfin, non, pas qu'il tombe, mais qu'il se relève, quoi. Allez, vas-y, prends ton temps. Très bien. Et voilà. Maintenant, faut pas qu'il me tue, ce serait bête quand même. Ça peut arriver, donc attendez, hein, vous moquez pas. Voilà, c'est bon. Il va faire demi-tour. Non, il a disparu. Oui, mais non, ça sert à rien d'avoir le haut du drapeau, donc on y va comme ça. Allez, basta. Et je suis à 5000 pièces, 5093 même pour être précis. Je pensais pas un jour être si riche que ça. J'ai pas autant d'euros, malheureusement. Des chaussures dans les nuages. Je voudrais jouer ce stage, mais je n'ai pas le temps. Est-ce que quelqu'un pourrait le faire à ma place? J'ai entendu dire qu'il était possible de marcher sur les scrounges si on porte une chaussure de Goomba. Oui, je le savais, ça. Quoique, je l'ai probablement pas toujours su. Enfin, quoique si, marcher sur les scrounges, si, probablement, parce que on peut marcher sur les scrounges avec la chaussure de Goomba dans Super Mario Bros. 3, donc j'avais bien dû le voir, ça. Ok. Oui. Très bien. J'aurais pu avancer sans la chaussure, hein, mais ça m'aurait probablement posé problème. Oula! Oula! On récupère pas la pièce, hein, c'est bon. Quoi? Je passe en dessous, là, non? Ouais. Ok. Ah, ça va être une chaussure, là-dedans, non? Ouais. Au cas où t'es perdu la tienne. Oui. Parfait! Moyen pas. Ah! Stylé! Vas-y. Je vous en parlais justement dans le dernier épisode, je crois. Que les tombes pouvaient détruire les nuages comme ça. Parfait! Je sais pas trop à quoi servait la chaussure pour ça, mais pourquoi pas. Non. On peut pas faire d'attaque rodéo avec celle-là? Non, c'est avec la grosse qu'on peut faire une attaque rodéo. Ouh! Je peux tirer des boules de feu? Ouais, ok. Salut. Oula, je la veux. Attendez. Voilà, je la veux. De toute façon, je suis obligé de l'avoir, non? Ah non, c'est juste pour avoir ça. Ouais, bon, c'est quand même stylé. C'est pas obligatoire, mais c'est stylé quand même. Et oh, je peux les tuer. Oui. Attendez, je vais essayer d'aller là, il y a un truc, c'est sûr. Non? C'est juste une déco? Vraiment? Ça m'étonne. Ça m'étonne de leur part, tiens. Et bah voilà. Un nouveau niveau de terminé. Pas bien compliqué celui-là non plus. Je sais pas si j'arriverai aux 9999 pièces quand même, hein, parce que ça fait beaucoup. Le château des bulles de lave. J'ai essayé de recréer un endroit que j'ai exploré il y a bien longtemps. Encore l'explorateur légendaire, tiens. C'était un château où régnait une chaleur étouffante et où des bulles de lave surgissaient sans prévenir. Mettez cette carapace de bruit insecte sur la tête et peut-être que vous en sortirez sain et sauf. Je suis sûr qu'en fait cet explorateur il est jamais allé nulle part. Genre à chaque fois il fait genre ouais. Je suis là-bas, vous inquiétez pas, j'ai fait ce niveau, genre c'est comme de mon temps. Mais non, 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 le mec, il était bien au chaud chez lui à jouer aux jeux vidéo. Ouh. Ok, j'ai eu peur. Oula, non, 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 non. Attendez, mais ça pleut littéralement des boules de feu. Et elles ressortent de la lave ou pas? Non, non, elles font juste tomber. D'accord. Non, 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 je veux pas les pièces, moi je veux juste continuer. Ah, mais elle, par contre, oui. Ok, bien. Mais je suis censé avoir une carapace de bruit insecte, là, elle est où? Donnez-la moi, non? Ouh, là, il va y en avoir une, c'est sûr. Non? Pas encore. Ah, elle arrive par derrière. Oh, mais attendez, mais elle va tomber, là, non? Ah oui, mais ça va. Mais attendez, mais ils ont parlé de carapace de bruit insecte, il n'y en a pas. Quoi? Mais attendez, mais c'est bizarre. Ils ont peut-être oublié de la mettre. C'est étrange. Bah ouais, c'est chelou. Ou c'est peut-être à la fin.
Mais genre ils en parlent alors que... Ah bah elle est là. Ouais mais ils en ont parlé alors que genre on la voit pas beaucoup. Enfin c'est bien parce que maintenant le niveau ça va être relativement simple en fait. Ah ouais mais... Ok d'accord, là il y en a vraiment beaucoup qui nous tombent dessus. Donc heureusement que je l'ai, tiens. Oula, 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 oula. Ah bah oui, fallait s'y attendre à ça. Je vais rester un peu en arrière. Comme ça, ça me tombera peut-être pas dessus. Ou non, je vais avoir... Ah, 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 ah. Très bien. On peut pas les ramasser maintenant. La pièce 10, on peut pas la ramasser. Qu'est-ce que tu jettes? Oh bah, bon, très bien. Très bien. Eh, je peux les tuer. Je pense que je peux les tuer. Mais c'est un peu risqué. D'accord, ok. Bon, ça sert à rien, surtout c'est la fin du niveau. Mais ah ouais, mais non. Allez, allez, plus vite, ils vont me tuer, ils vont me tuer, ils vont me tuer, ils vont me tuer. Le truc me tombait dessus, là, non? Je crois qu'elle me tombait dessus, celle-là. J'ai bien fait de me dépêcher, hein. Barrage de bloops. On n'en voit pas beaucoup des bloops, hein. J'ai placé quelques bloops sur une planète à faible gravité. Il y en a 10 au total. Il vous faudra tous les vaincre avant d'atteindre l'arrivée. Maintenez B enfoncé lorsque vous rebondissez sur un ennemi pour effectuer un super saut. Bonne chance, compagne des étoiles. Et je sais pas qui c'est, mais quelque chose me dit que ce serait Harmonie, quand même. Après, Harmonie... Bah, depuis Super Mario 3D World, on l'a pas vu dans un gros Mario, hein. Elle était pas dans Odyssey, d'ailleurs. C'est un peu étonnant, ça, d'ailleurs. Ok. Ils auraient dû mettre aussi Daisy, ça aurait été stylé. Oh, oh, what? Ça va pas être bien difficile, ça. Ouh! Oh, bah, j'en ai eu deux d'un coup. Ok. Allez, venez là. C'est bon! Ah, c'était marrant, sauf que bon, on a quand même tué des bloops, et ça, c'est jamais très très marrant, mais c'était le thème, c'est pas moi qui l'ai voulu! Là qui tue, qui tue! Je croyais marqué là qui tue, qui pue! Nyahaha! Qu'est-ce que vous dites de ce désert gardé par une armée de là qui tue? Il faudrait un miracle pour réussir à le traverser! Allez-y, tentez votre chance, il y a une belle récompense à la clé! Un mage pas comme les autres. Kamek, hein, oui, probablement. Sauf que il est littéralement comme les autres, en fait. Enfin, comme les autres. Comment, magique ou pas? Enfin, au niveau de son apparence, hein, sinon au niveau de ses pouvoirs, non, il est quand même un petit peu plus fort que ça, mais qu'est-ce que tu jettes, toi? Bah, d'accord. C'est gentil, alors. Ça, c'est une idée intelligente pour utiliser les lakitus. Parce que le problème des lakitus, quand tu les mets dans un niveau, c'est que, généralement, les niveaux, ça les casse, en fait. Et là, non, ça va, en fait. Parce qu'en fait, un lakitu, ce qu'il y a, c'est que tu peux facilement aller le choper, en fait. Enfin, comment dire, bah, pas forcément facilement, mais un lakitu, c'est vraiment le genre de truc, quand c'est dans un niveau... Oh... Il y a de grandes chances que tu puisses aller le récupérer. Et si tu peux le récupérer, ça casse les niveaux. C'est un petit peu dommage, ça. Non. D'accord. Mais attendez, mais s'ils envoient des blocs pot à chaque fois là-bas, ça le fait pas. Alors, envoyez-les par là. Non, ça c'est pas un bloc pot. Voilà, très bien. Ça va être un petit peu plus compliqué, là. Oh non, il me suit l'autre. Eh ben, je peux pas l'avoir, lui. Très bien, ça ne me sert absolument à rien, mais il y avait probablement une fleur de feu là-dedans. Parce que justement, ça devait servir à aller dans le truc en bas. Mais non, oula, oula, oula. Salut. Il y en a pas d'autres des lakitus là? Aïe. Bon, ils sont pas si durs à tuer, ça va, ça va. Pourquoi ils avaient mis un truc de pièce là-dedans, c'est trop chelou. C'est pour monter ça? Ouais, mais attendez, mais ils avaient vraiment prévu qu'on fasse ça? C'est un peu bizarre, quand même. Ah oui, si, c'était effectivement prévu. Ok, allez, 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 la fin, la fin, la fin, elle est là, elle est là, elle est là. À chaque fois, ça me stresse quand tu vois que le truc de fin, il arrive, mais la fin, elle est pas tout de suite là. C'est un peu... Enfin, je sais pas. Surtout quand il y a des ennemis qui te pleuvent littéralement dessus. Bon, alors, pour terminer cette vidéo, on va faire le niveau de la princesse Peach. J'imagine qu'elle en aura 3 à donner, hein. Généralement, ils en ont 3 à donner. La marche des nouveaux Toads. Les Toads qui devaient venir travailler aujourd'hui ne sont pas encore arrivés. J'ai bien peur qu'ils ne se soient perdus en chemin. Pourrais-tu les ramener tous les 10 sains et saufs? Les 10 Toads? Attendez, c'est une blague. Les 10 Toads. Genre, j'ai bien lu. Bah ouais, ouais, ouais. Ok, déjà que c'était un peu compliqué quand il y en avait 5. Et genre là, il y en a 10. Ah bah ils sont tous là. Ah bah ils sont tous là, bien en rang. Ah bah c'est sympa ça. Ok. Ouais mais non, 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 je m'en moque des vies. Non, je veux descendre. Ah. Ah.
Les pauvres, ils sont tous morts à la fois. Oh non, ce truc là-haut, il va me gaver. Un champi. Oui, merci. Et je peux pas la tuer là-haut, la plante. Et elle va être bien relou. C'est quoi ça? Non, des torpitopes, j'aime pas ça. Personne n'aime ça, il y en a un. Aucun n'est mort. Expliquez-moi comment ils ont fait pour survivre à tout ça. Il me manque un Toad? Où ça? Il y a peut-être un Toad que j'ai pas récupéré. Quoi? Bah, il y en avait un ici, mais je l'avais pas pris celui-là. Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, j'ai fait plusieurs fois des hécatombes de Toad, hein, genre tous les Toads qui meurent. Oh. Ah bah oui. Mais c'était obligé, ça. Non. C'était attendu, ça. La première fois, je l'ai passé sans aucun problème, ce truc. Là, maintenant, un petit peu moins. Ok, au revoir. Ah, il s'est peut-être fait toucher, genre, sans vraiment que je le vois, en fait. Ça doit être ça. Hein. Ouf, faites gaffe. Ok, très bien. Ouf. Tous les petits Toads à la queue leu leu, c'est mignon. Par contre, ils ont un peu abusé sur le nombre. Hein. 10 Toads, c'est quand même beaucoup. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous donnes? Perruque de Peach. Ah ouais, c'est un ensemble de Peach, génial. Et elle nous donne un niveau de plus ou pas? Elle en avait peut-être que deux alors, parce que je crois que son ensemble, il est fait là. Bah ouais, ok. Bref, les amis, nous, on va en rester là pour cette vidéo de Super Mario Maker sur Nintendo Switch. J'espère que ça vous plaît toujours. N'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!